séance d'une demi-heure. Attendez, je lance mon chrono. Donc, on va partir sur une séance de 30 minutes, plutôt cardio. Après, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'essaye de varier. Donc, il y aura quand même un peu de renforcement musculaire. On va faire 30 minutes quasiment non-stop. Donc, allez à votre rythme. Il y aura évidemment des temps de repos, mais c'est de la récupération active. Donc, je vais vous demander de bouger, soit de sautiller sur place, soit de marcher si vraiment c'est trop dur pour vous. Mais en tout cas, essayez de rester actif pendant le temps de repos et pendant toute cette séance, puisque 30 minutes, ce n'est pas très long. Et donc, si vous êtes complètement à l'arrêt, c'est dommage. Donc, voilà, je lance le chrono et on va tout de suite démarrer. Allez, c'est parti. Gardez votre bouteille d'eau près de vous parce qu'on va quand même un peu transpirer, il fait chaud. Là, on va partir sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez là, point de talon. Donc, ce sera notre petit mouvement de récupération. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Là, et on reprend là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On sautille. Et on reprend une troisième fois un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Encore un peu là, tranquillement. Et là, on va passer aux genoux là, sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dos droit, toujours 7 et 8. OK. Relâchez. On passe sur les chevilles, les poignets. Ah, on change de côté. OK, on relâche. Là, le bassin, on va aller chercher sur les côtés en inclinant le buste. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On écarte un peu plus et on va chercher sur les côtés. La main longe, la cuisse. 1, 2, 3, on garde les jambes tendues. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste jambes là, écart tendu. On va pencher vers l'avant, le dos droit. 1, 2, 3, 4. Toujours le dos droit. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, on relâche, on resserre un tout petit peu et la rotation du bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Des grandes rotations, 2 dans un sens, 1, 2 et 2 dans l'autre. Beaucoup d'amplitude, le dos droit, les jambes toujours tendues, 1, 2 et dans l'autre sens. 1 et 2 encore. 1, 2 et dans l'autre sens. 1, 2. OK, on relâche. Là, les épaules vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. Beaucoup d'amplitude. Tirez la poitrine vers l'avant. 5, 6, 7, 8. Là, à l'inverse. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. OK, on relâche. Là, on va chercher loin derrière. On fixe le bassin. Là, on a les jambes légèrement tendues. Et le regard suit la main en arrière. 1, 2, 3. Fixez bien le bassin. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Et cette fois, on accompagne avec tout le corps
pointe de pied jusqu'au bout des doigts et on engage bassin, genou. 1, 2, 3, faites une belle rotation. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. C'est parti. On va commencer à attaquer. On va commencer à sautiller. Là, tranquillement, on relâche. On va échauffer les bras. Là, rotation vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, 1, 2, continuez. Juste, j'ajuste parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. Pas forcément mieux. Hop. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tend, on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en diagonale. 1, 2, 3, et encore 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on a les coudes à hauteur d'épaule et on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, les deux devant. 1, 2, 3, on pousse bien. 4, 5, 6, 7 et 8. En haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on alterne en haut et devant. Allez, 1, 2, 3, 4. Encore. Sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Ok, on relâche. Là, on passe au coude. Là, dans un sens, levez bien les coudes à hauteur d'épaule et dans l'autre. Ok, on relâche les bras. Là, on les passe derrière la tête, on laisse tomber le bras avec la gravité. On va chercher loin derrière la tête. Ok, relâchez. Là, talon fesse, une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, les deux jeux. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genoux extérieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on relâche. Là, petit ciseau sur place. 1, 2, 3, 4. Mettez du rythme, pointe des pieds. 5, 6, 7 et 8. On relâche. Là, 1, 2, genou à l'extérieur, dos droit. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On continue au niveau des jambes et là, on pousse devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. On va monter les genoux. Là, pas trop vite pour le moment. On va avoir une deuxième série un peu plus intense. Allez, tirez sur les bras. Allez, encore. 5, 4, 3, 4.
relâche. On va le refaire une deuxième fois. Je vais vous demander beaucoup plus d'intensité et de rythme. Donc, on lève un peu plus haut et on cadence. Et on tire sur les bras. Attention, c'est parti là. 1, 2, 3, encore 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Ah, on relâche tranquillement. Là, on va twister ici. Relâchez le bassin. Ok, là. 1, 2, 1, 2. Allez, encore. 1, 2, 1, 2. Tendez bien les bras. Encore un peu. Ok, on relâche. Là, on va partir sur 5 squat jump. Là, 1, 2, 3, 4. Le dos droit, on tire les fesses en arrière. Ok, relâchez. On va refaire les mêmes. Attention. Là, toujours genou extérieur. Dos droit et on tire le dos, on se grandit. C'est parti pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Ok, vous pouvez boire une petite gorgée et on va attaquer notre premier bloc. On part dans 25 secondes. J'espère que ça va bien de votre côté. Donc, on a fini la première partie, donc l'échauffement. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez commencer à sautiller. On repart dans 45 secondes. En attendant, je vous montre le premier exercice. Donc, on démarre ici. Là, sur les mains, position de planche. Là, on va faire genou, coude opposé. Une fois, coude opposé. Deux fois. Là, en option, pompe. Et on remonte. OK ? On va faire ça pendant 30 secondes non-stop. Donc, c'est à vous de mettre le rythme. Si vous voulez carburer, mais carburer. Sinon, vous y allez, si vous en faites 3 pendant les 30 secondes, il n'y a aucun problème tant que c'est votre niveau. On sautille là sur place, mettez du rythme, on part dans 3, 2, 1, c'est parti, on descend, coup de genou, pompe en option et on remonte. Là, on y retourne tout de suite, genou, genou, pompe. Allez, on met du rythme, on se redresse, on y retourne, genou, genou, pompe. Allez, encore. On redescend. Là, pour la pompe, on colle les coudes au corps. Allez, encore. Allez, on y est presque. 5 secondes. Encore. Ok, sautillez. On relâche. Pour le prochain, on va partir là, sur une montée de genoux latérale. Quand on arrive au bout, deux options. Soit vous me faites une petite flexion, soit vous me faites un saut groupé. Et on repart. Ok ? Donc, latéral, option 1, j'arrive au bout, petite flexion et je repars. Option 2, j'arrive au bout, saut groupé et je repars. Tension 2, 1, c'est parti. On monte les genoux, hop, saut et on repart. Allez, 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 on met du rythme. Allez, encore, là, genou, genou, saut, encore, on tire bien. Saut. Allez, 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 allez. On lève bien les genoux. On essaye d'être léger. Encore 3, 2, allez, on fait le dernier. Allez, allez. Ok, relâchez. On relâche complètement. Prochain, tout le monde connaît. On va partir en burpees. Donc, soit vous faites le burpees normal. Là, je ne vous demande pas de faire une pompe, juste un petit saut. L'extension en se levant. Si c'est trop dur pour vous, on décompose. Là, tranquille. Bam, bam, bam. Et je saute. Attention. On part dans 3, 2, 1. C'est parti, on y va. Là, petit saut, on se redresse. Allez. Faites-le à votre rythme. D'accord? Si vous voulez mettre de l'intensité, allez-y, c'est le moment. Sinon, choisissez votre cadence. On se redresse. On lève la tête. On regarde droit devant. Allez, encore 5 secondes. On en fait au max là. On continue. 2, 1. Sautillez. Récup. On sautille. On marche. On bouge. Ok. Continuez à sautiller tranquillement.
Prochain, on va faire celui qu'on a fait à l'échauffement. D'accord? J'ai les bras tendus là. 1, 2, 1, 2. Par contre, il n'est pas dur. Donc, on met du rythme. OK? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 1, 2. Allez, encore. Gardez les bras bien tendus. On est sur la pointe des pieds. Allez, allez, allez. Encore. Continuez. On a fait plus de la moitié. On ne baisse pas la cadence. Allez, allez, allez. 2, 1, 2, 1, 2. Encore 5 secondes. On continue. 2, soufflez. Relâchez. Ouh. Prochain. On va juste partir en ciseaux là. OK. Mais beaucoup de rythme. Là encore, ce n'est pas un exercice difficile. C'est à vous de mettre la cadence. D'accord? Continuez à sauter. Et c'est à vous de choisir si vous voulez mettre vraiment beaucoup de rythme ou un peu moins en fonction de votre niveau. D'accord? Si vous débutez, on va un peu moins vite. Sinon, on y va. Attention, c'est parti. Allez, on tend les bras. Allez, encore, encore, encore. Allez, on met du rythme. Je vous donnerai des petits pics d'accélération. On va accélérer sur 3 secondes. Attention. 2, 1, 2, 3. On reprend normal, mais on a toujours un bon rythme. 2, 1, 2, 3. On reprend normal. Et on finit les 3 dernières secondes à fond. Allez, 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 allez. 2. On saute. Récupérer. Prochain. On connaît tous Mountain Climber. Donc, j'attends un peu avant de descendre pour vous l'expliquer. Continuez à sauter. Alors, pareil, il y a deux options. Soit je fais le classique et je suis là, je mets du rythme. Soit vous le décomposez en marchant. OK? Je bloque mes habits. Attention, on part dans 2, 1. Allez, c'est parti. On garde le dos droit. On est solide sur les épaules. Les épaules sont bien au-dessus des mains. On est sur la pointe des pieds légers et on expire. Là, on inspire, on expire. Allez, on a fait la moitié. Encore, 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 encore. On ne lâche pas. Toujours un bon rythme. Allez, 7 secondes. Serrez les abdos. Dos droit. On garde son tapis. On n'a pas le menton rentré. Soufflez. On se redresse, on saute. Allez, il nous en reste encore un petit peu. OK, prochain. Si vous avez une ligne au sol, utilisez-la, sinon ce n'est pas, c'est pas gênant. Moi, j'ai des bouts de scotch, hein. Vous l'avez vu. On va en 4 temps. J'avance, je recule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on met du rythme. OK, ça cadence, c'est léger. 2, 1, c'est parti. Allez, on met du rythme, on met du rythme. Encore. Allez, plus vite, gardez le dos droit. Tirez vos épaules vers l'arrière. Allez, encore, 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 encore. On bouge, on fléchit sur les jambes. Allez, ça doit brûler celui-là, normalement, si c'est bien fait. Mettez plus de cadence encore, c'est pas assez. Allez, allez, 10 secondes. Encore, encore, encore. On continue. On avance, on recule, 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, soufflez. On relâche tranquillement. Là, prochain. Être un peu moins cardio. On va continuer sur ce travail de jambes avec un espèce de double squat. Donc là, mon squat, je descends bien, fesses en arrière, les genoux vers l'extérieur, je suis en appui sur les talons dos droit. On remonte, on serre, on ouvre, pareil. Et on va décaler. Attention, préparez-vous. Top, c'est parti là. On descend bien, dos droit, on tire les fesses vers l'arrière. Là, faites comme si vous allez vous asseoir sur une chaise. On tire bien en arrière. Allez, encore. On continue. Allez. Genou extérieur. On appuie sur les talons. Encore. Là, 5 secondes. On ne lâche pas. 3, 2, descendez bien. 1, et on se tire tout de suite. On relâche. Prochain. Là, on va être le bas comme un jumping jack. Donc là,
écarté, serré. Toujours en pointe de pied. Les genoux vers l'extérieur. Hein, vous ne faites pas des sauts comme ça. Le haut, j'ai les coudes collés. Bien haut. Et à chaque fois que j'ouvre, j'ouvre mes bras. D'accord? Les coudes bien alignés. Ligne horizontale avec les épaules. Attention. C'est parti. Allez. On met du rythme. Tapez des mains si vous voulez. Mais levez bien les coudes. Là, encore. On va un peu plus vite. Allez, allez, levez bien les coudes. Encore. On serre, on ouvre. Serrez à fond. Allez, encore. On va un peu plus vite là pour la fin. Allez, accélérez. Il n'est pas dur celui-là, donc on met du rythme. Encore. 3, 2, 1. Soufflez, relâchez. Là, tranquillement. Dernier. OK? Alors, dernier, on part du bas. Là, avec 3 sauts. 1, 2, 3. Et saut en extension. Et on redescend tout de suite, OK? On décolle bien sur les 3 sauts. Un peu plus que d'habitude. On l'a déjà fait sur des séances précédentes. Là, j'ai demandé de bien décoller. On descend. Attention, c'est parti. 1, 2, 3 en haut. 1, 2, 3 en haut. 1, 2, 3, on monte. 1, 2, 3, allez, poussez, c'est le dernier. Encore. 1, 2, 3, on soulève. 1, 2, 3, soulevez tout. 1, 2, 3, on démarre du bas. 1, 2, 3, on arrive sur la fin. Encore, accrochez-vous. 3 secondes. Allez, dernier. 1, 2, 3, on soulève. On se tire. Relâchez tranquillement là. On récupère. Relâchez. On finit nos 30 secondes de repos. Hein. Ça fait partie du travail. Donc là, c'est un bloc de 10 minutes. Vous voyez, on est en comprenant le travail de récupération active. On est à 10 minutes non-stop. Voilà, je trouve que ça passe assez bien. Parce que comme on change très souvent d'exercice, on ne le sent pas trop. OK, on relâche. Buvez un coup. On va juste faire une toute petite routine abdos, la classique. OK, avant de passer sur un deuxième bloc de 10 minutes. Alors, je considère que c'est un temps de repos, en tout cas au niveau cardio. Donc, on en profite et en même temps, on travaille la sangle abdominale. Alors, là, on va avoir les bras tendus. On va faire comme si on allait chercher une corde et on la tire sur le ventre. 1, 2, 3, contractez les abdos en haut. 4, 5, 6, c'est une contraction volontaire. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On tend les bras là, on décolle, on reste contracté en haut. Et là, des tout petits vers le haut. 1, 2, 3, sentez la contraction. 4, exagérez là quand vous êtes en haut. 5, 6, encore. 7, 8, 9, 10, encore. 11, 12, 13, 14 et 15. On pose tout de suite les mains sur les cuisses et on les fait glisser tout doucement. 1, on rentre toujours le ventre. 2, on expire en montant. 3, 4, regardez en direction du plafond. 5, 6, encore. 7, 8, 9, 10, 11, allez, expirez bien. 12, 13, on expire à la montée. 14 et 15. Là, on a les mains en direction de ses chevilles. Collez les genoux ensemble, les pieds également. Et là, 1, 2, on va tout doucement. 3, sentez bien la contraction. 4, on ouvre. 5 et on ferme. 6, 7, prenez de l'amplitude dans le mouvement. 8, 9, encore. 10 et on serre bien en haut. 11, 12, encore. 13, 14 et 15. Là, le dernier, on a les jambes tendues, les pieds fléchis. On va chercher les pointes de pied. 1, 2, expirez en montant. 3, 4, allez encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
On se relève et on repart dans 15 secondes. Là, soyez prêts. Prochain, assez facile. Je vais vous demander de faire des pas chassés et on touche sa plante de pied opposé. D'accord, je vais dans ce sens, c'est l'autre pied que je touche. Attention, c'est parti là. Si c'est trop dur, on fait juste des pas chassés. Hein. C'est juste la coordination là. Allez, pointe de pied. On met du rythme. Allez, encore. On continue. Allez, allez. Encore. On est rapide sur les jambes là. On se déplace très vite. Pointe de pied. Bam. Ça doit être très volatile. Là. Encore. Deux. Un. Soufflez. Ok. Prochain. On va être sur une montée de genoux là. J'avance en montée de genoux. Je recule. Saut pied joint. D'accord? Toujours très dynamique. Continue à sauter sur place. D'accord? Je monte mes genoux. Là, j'arrache tout. Je lève bien. Je mets du rythme. Et je descends. Ou je recule en contractant les abdos. Attention. Deux. Un. C'est parti. Allez, on lève bien. On lève, on lève, on lève. Et on saute. On contracte. Encore. On lève. On recule. Encore. Levez, levez, levez. Et on serre les abdos en reculant. Là, sentez la contraction. Et on pousse bien sur les pieds. Là. Hop, toujours très dynamique. Encore. Allez, 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 allez. Allez, plus de rythme encore. Allez, dernier. Ok, relâchez. Prochain. Là, on va repartir sur nos pas chassés. Pas chassés bas. Flexion, extension et je repars. Les pas chassés, ça doit être vraiment très rapide. Je descends sur les jambes. Là, je fais le crabe. C'est très dynamique. Là, continuez. En récupération active, on part dans 4, 3, 2, 1. C'est parti là. Pas chassés, flexion, extension et on repart tout de suite. Là, encore. Je descends, je monte. Encore. En bas. En haut, rapide, en bas, en haut, on continue, en bas, en haut, bam, allez, continuez, en bas, en haut, en bas, là, encore 5 secondes, là on finit, en bas, en haut, une dernière fois, en bas, en haut, relâchez, là on relâche, prochain, sautier, je vous montre l'exercice, on est là. Ici, coup de genou, squat, 1, 2, 3, et on reprend, genou, genou, squat, 3 direct, ok? Et là, on se tire pas, hein? Du coup, mettez du rythme. Attention, on part dans 4 secondes, 3, on se prépare, 2, 1, là, genou, genou, je descends, je tire sur le dos, 1, 2, 3, genou, genou, squat, 1, 2, 3, genou, genou, squat, 1, 2, 3, encore, genou, genou, là, dos droit, 1, 2, 3, encore, on lève bien les genoux, on descend, genou extérieur, allez, 1, 2, 3, encore, coup de genou, squat, 3 direct, dernier, squat, 1, 2, 3, sautiller, prochain, on va repartir sur notre burpees de tout à l'heure. Sauf que là, ce que je vais vous demander, on descend en burpees. Là, là, je remonte. Petit saut. 1, 2, 3 direct. Pour les 3 directs. Si vous faites de la boxe, vous pouvez vous mettre en position de garde. 1, 2, 3. Si vous n'en faites pas, vous pouvez rester les pieds alignés et juste tendre les bras. Attention. C'est parti. On descend. Petit saut. 1, 2, 3. Et on y retourne. Là. Tout de suite. 1, 2, 3. En vitesse, je saute. 1, 2, 3. Je mets 3 coups très rapides. 1, 2, 3. Encore. On saute. 1, 2, 3. On y retourne. Là. 1, 2, 3. Allez, allez, allez. Encore. 1, 2, 3. Plus vite. Là. 1, 2, 3. Le dernier. Hop. 1, 2, 3. Se tient. Prochain, on va être
Sur. Là, une flexion. Très basse. Ah. 1, 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Bam. On met beaucoup, beaucoup de rythme. D'accord? On descend bien pour aller travailler les fessiers. Là, les genoux bien écartés. On s'assoit, on tire les fesses en arrière. C'est parti. Là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dos droit. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. On met de la vitesse. 1, 2, 3. Allez. On n'a pas fini. 1, 2, 3. Tirez les genoux vers l'extérieur. On s'assoit sur les talons. 1, 2, 3. Gardez le dos bien droit. Encore. Allez, allez, allez. 5 secondes. 1, 2, 3. On met de la vitesse sur les coups. Bam, bam, bam. Le dernier. 1, 2, 3. On relâche. Là, sautier. On récupère. Tranquillement. Prochain. Je vais vous demander une course rapide sur place. Donc, c'est quasiment une montée de genoux. Ah, et on va arracher. D'accord? C'est un mouvement facile. Hein, on a fait un peu à l'échauffement. Vous le maîtrisez. Donc, on met du rythme. Attention. 2. 1, c'est parti. Allez, allez, allez. On est au max. Encore. Tirez bien sur les bras. Allez, allez, on serre les abdos. Encore. Allez. Tirez, 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 tirez. Là, on va finir les 10 secondes à fond. On est rapide. On va faire une accélération dans l'accélération. C'est parti. Allez, encore plus vite. Allez, 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 allez. Allez, 5 secondes. Encore à bloc, 3, 2, 1, soufflez. Récupérez tranquillement. Là, on relâche. On va passer en planche au prochain. Là. Alors, on décline dans trois axes. Là, genou, milieu, milieu, diagonale, diagonale, extérieur, extérieur. Attention, on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Milieu, milieu, diagonale, diagonale, extérieur, extérieur. Et c'est reparti. Au milieu, diagonale. Extérieur, toujours le dos droit. On expire bien. On n'a pas les fesses en l'air. Et c'est à vous de mettre le rythme. Allez, on continue. Encore, encore. Allez, allez. Vous pouvez le faire en sautant si vous avez envie de mettre un peu plus de cadence. Allez, soufflez. On relâche. Là, tranquillement. Le prochain, on va reprendre nos sauts de grenouille, là, en bas. Sauf que cette fois, on va rester au sol et on va décoller le plus possible. D'accord? On reste sur place. Là, commencez à sauter tranquillement. On part dans 5 secondes. Ce sera le dernier. D'accord? Donc, on se donne. Attention, là, c'est parti. On pousse. Poussez bien haut. Allez, encore. Encore plus haut. Allez, on pousse, sautez. Allez, c'est la fin. Encore. Allez, allez, allez. Encore 10 secondes comme ça. Allez, on continue. On s'accroche, poussez bien haut. On pousse sur la pointe des pieds. On est sur la limite de se lever. Allez, 3, 2, 1, soufflez. On relâche. Je fais mal celui-là. Allez, relâchez les bras. Fais descendre tranquillement le rythme cardiaque. Alors, on a fait nos deux blocs. On a dépassé un peu le temps. 33 minutes. Ouh, on sera plutôt à 35 d'ici la fin, là. Mais on est bien. Voilà. La fierté d'être allé au bout de la séance. C'est cette sensation qui est super bonne. Ok, on relâche. On va relâcher les jambes, les bras. Ouh. Et là, on va reprendre notre mouvement de rotation de la cheville jusqu'au bout des doigts. Aller le plus loin possible. Là, on relâche tout. Aucune contraction. Expirez. Ok, on relâche. Relâchez à nouveau les jambes. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ça a été pour vous. J'espère que vous avez surtout pu faire la séance en live, sinon de toutes les façons,
Elle sera en replay, donc si vous la regardez en replay, bah, tant mieux pour vous, elle reste sur ma chaîne tout le temps. Et je vous donne rendez-vous demain pour une séance de cordes. Donc là, 25 minutes, cordes, renfaux, avec un peu de shadow. Et puis, bon, des rendez-vous aussi tous les autres jours de la semaine, et notamment samedi à 11h pour une séance de boxe Zoom. Donc là, on sera plutôt sur une heure et quart avec des échanges derrière et la possibilité d'être corrigé sur vos mouvements si vous le souhaitez. Et pour ça, il faut aller sur ma page Insta et cliquer sur le lien dans la bio pour réserver. Voilà. Bon, je vous souhaite bonne soirée à tous. Je coupe YouTube. Merci à vous. Et